Le vieux séminaire de Saint-Sulpice est l'un des plus anciens bâtiments de Montréal. La bâtisse a été construite en 1685 par le supérieur sulpicien François Delier de Casson, puis modifiée par le supérieur François Vachon de Belmont. Le séminaire était construit sur l'un des plus hauts points de la ville afin de dominer tous les commerces et aménagements de la basse et de la haute ville. Entre 1705 et 1715, deux ailes se sont ajoutées à la bâtisse. Sa première utilité était d'héberger les sulpiciens et les membres de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Par ce lieu, à l'époque et encore aujourd'hui, ils assuraient la diffusion du catholicisme et la transmission de plusieurs pratiques culturelles, comme l'enseignement, les archives, etc. Cela grâce à leur impressionnante bibliothèque, et ce, depuis plus de 325 ans. En parlant d'âge, le potager du séminaire est cultivé depuis 300 ans, ce qui en fait le plus vieux de la ville. L'horloge sur la façade du bâtiment fut importée de France au 18e siècle et fut la première horloge publique de la ville. Les sulpiciens étaient des missionnaires et enrichissaient la bibliothèque du séminaire de documents sur leur mission et leur activité éducative de la Nouvelle-France. Ils étaient les seigneurs de l'île et le séminaire était par le même fait le manoir seigneurial.